que vous savez quel est le lien avec Raph? Alors, un soutien-gorge. Si on voit ça à la télé, ma femme va me dire quoi? Non, ça ne me dit rien du tout. Et bien, c'est fabriqué ici. Voici le modèle Edona, produit phare de la marque Chantel, développé dans nos locaux, ici à Épernay. Je suis Delphine Chaplot, responsable du bureau d'études du groupe Chantel Lingerie. Le bureau d'études ici développe les nouveaux produits donc des marques du groupe Chantel. La confection de lingerie demande un vrai savoir-faire. Il reste très peu d'usines en France qui savent faire de la lingerie. Et là, depuis 1962, on est là et on s'apprend un peu de mère en fille. Mais voilà, nous, on est demandeuses, évidemment, au travers des BTS ou des bacs pro qui viennent en stage ici, de leur apprendre le métier de la lingerie qu'elles n'apprendront pas à l'école. Je suis Stéphane Rigaud, je suis le directeur du site de Chantel et Le groupe Chantel Lingerie est une maison de lingerie qui existe depuis 1876. On est un des leaders sur le marché français, présent sur tous les continents. Sur Épernay, on est une centaine de collaborateurs. Pourquoi Épernay? Épernay, c'est la proximité aussi du centre-ville, la proximité aussi de Paris. Sur le bassin rémois, on a quand même une population avec un savoir-faire et une envie forte et une aptitude à évoluer et à changer. C'est aussi une des vraies valeurs du site d'Épernay, d'être capable de se remettre en cause et d'évoluer. Clairement, on a l'intention de déployer l'Humain in France pour pouvoir accompagner justement toutes ces petites marques qui recherchent des compétences. À la fois, on est capable de développer et de fabriquer du Made in Épernay. Oui, j'espère qu'un jour, la région d'Épernay et de Reims sera connue pour le champagne et pour son savoir-faire de lingerie avec notre usine ici.